Montana, on est orienté plein sud, donc on a beaucoup de soleil. La neige fond plus vite qu'ailleurs, mais par contre, le soleil est beaucoup plus présent. Et c'est ce qui nous permet de faire des randonnées extraordinaires avec un paysage de tous les 4000 des Alpes Valaisannes sous nos yeux. Donc c'est vraiment un endroit absolument extraordinaire pour faire de la rando. Mon autre activité, la gestion de la cabane des Violettes que nous avons repris il y a 5 ans avec mon ami Franck Reynaud. Donc on fait un mix de la montagne et de la cuisine, vu qu'il est cuisinier étoilé. Et lui, il fait des progrès en montagne et moi, je fais pas de progrès en cuisine. Bonjour, je m'appelle Franck Reynaud et je suis responsable de la cabane des Violettes. Avec mon associé Pierre-Olivier Bagnot, le guide de montagne, on a voulu donner à cette cabane un profil qui nous correspondait, quelque chose qu'on avait envie de trouver quand on allait en montagne, c'est-à-dire trouver un endroit confortable avec un souci de l'accueil important et puis un endroit surtout où on mangeait bien et on pouvait boire de bonnes bouteilles. Nous exploitons ici cette buvette de Pépinet qui est en fait la fromagerie d'été où nous fabriquons du fromage à raclette du Valais. Nous avons la chance de se trouver au milieu du domaine skiable et je pense pouvoir ainsi offrir à la clientèle une chose un petit peu différente qui plaise à la population. Je m'appelle Grégory Pagès et je suis directeur du Vision Art Festival à Crans-Montana. On a réalisé plusieurs œuvres d'artistes internationaux et aussi suisses sur les bâtiments des remontées mécaniques parce que c'est quand même une sorte de friche industrielle qu'on a à la montagne et qui fait un peu tâche. Donc on s'est dit pourquoi pas amener des artistes dans ce cadre magnifique et un peu combiner le paysage magnifique qu'on a avec des artistes très doués et qui ont essayé de créer quelque chose, une symbiose entre la beauté de la nature et la beauté artistique. Et là, on a la combinaison de l'art urbain avec la montagne. Et je ne sais pas si dans un autre endroit, on pourrait avoir un mélange mieux qu'ici. Salut, je m'appelle Pat Bourguenard, je suis ambassadeur de la station. Je fais du snowboard professionnel. C'est cool pour moi parce que ma discipline c'est le halfpipe et puis de pouvoir m'entraîner ici à côté, ben, ça fait toujours du bien. Et donc pour moi c'est sûr que c'est un des meilleurs snowparks en Suisse parce que justement il est vachement complet, il y a une ligne de rail, il y a des bons sauts, plus un halfpipe. Donc voilà, et en fin de saison on organise chaque fois une spring session et c'est vrai que c'est cool parce qu'on ramène plein de jeunes de toute la région du Valais et même des fois il y a des gens d'étrangers qui viennent. Et on met des transitions partout, des sauts. Et c'est vrai que c'est cool parce qu'il fait chaud, on fait des barbecues. Et c'est en même temps que le caprice qui fait qu'on peut profiter des concerts le soir aussi. Et voilà, donc je pense que c'est ce que j'ai à dire sur cette station. Bonjour, je suis Samy Lama, le concepteur de cet hôtel de montagne, Chetseron, design hôtel sur les hauts de Crans-Montana. En fait, on se trouve là, à l'instant même, dans le lobby de l'hôtel, qui est en fait l'ancienne gare d'arrivée du fameux téléphérique de Chetseron des années 60. Donc la structure que vous voyez là date des années 60. On a simplement réhabilité les volumes en un hôtel de montagne en plein domaine skiable. Je me présente, je m'appelle Lionel Reynaud, je suis tenancier du relais de montagne chez Erwin, qui se trouve sur la piste de Chetseron à 1700 mètres d'altitude. Alors effectivement, on a après-ski, sur les coups des 16 heures, on a toujours des gens qui viennent boire un chocolat chaud ou notre spécialité qui est le café des copains ou un vin chaud. Et il y a toujours une bonne ambiance, on met souvent de la musique et les gens se lâchent un petit peu dans une petite cabane. Et ça finit souvent en belle fête. Alors bonsoir, bienvenue à l'hostellerie du Pas de l'Ours, on est dans ma cuisine là. Ce matin on s'est vu la cabane des Violettes.
où on sert une cuisine très terroir, très montagne. La station Grand Montana propose toute une variété. On a une cuisine internationale, on a de la cuisine gastronomique comme ici, on a des broches, on a du bistrot, on a de la cuisine thaï, enfin on a plein de choses. Depuis quelques années, la gastronomie à Grand Montana a une place très importante. On commence à être pas mal d'établissements, à avoir beaucoup de soucis de la bonne chair, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, on peut proposer une cuisine internationale, il y a plein de choses à Cran. Et je pense que ça devient une destination gastronomique, chose qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années.